Allez, on vous propose de commencer ce conseil municipal, mesdames et messieurs les élus. Donc, on commence de façon classique par un secrétaire de séance. On va considérer que c'est Éléonore, si elle est arrivée. Elle est là, pardon, je ne sais pas. Bonjour, mais elle n'a pas vu. Et ensuite, et par appel. On s'est dit bonjour, mais je ne l'ai pas. Ah, non, c'était discret. Hein? Oui, tout à fait. On va dire ça. Alors, Marie-Josée Allen. Présente. Éléonore Barthes, présente. Pierre Bertorello, retardé. Va donner oui. Pouvoir à Philippe Plantade, Philippe oui. Bory, Carlos Bico, Pascal Bousquet, retardé. Jean-Luc Chabosy, absent, a donné pouvoir à Elisabeth Michaud, Maurice Combe, Philippe Coste, absent, a donné pouvoir à Fabienne Joyeux, Claudine Dallery, Sandra Delus, Joël Dolic, Christelle Durand, absente, a donné pouvoir à Sandra Delus, Florent Éveillard, Hervé Fournet-Fayas, retardé, je pense. Sandrine Fuster, Marina Garcia, Laurent Guerre, absent, a donné pouvoir à Didier Robert, Elisa Jouffreau, absente, a donné pouvoir à Claudine Dallery, Fabienne Joyeux, présente. Bruno Maury, présent. Elisabeth Michaud, présent. Philippe Plantade, présent. Romuald Pons, présent. Didier Robert, présent. Alain Roux, retardé. Arnaud Sigu, absent, a donné pouvoir à Carlos Bico. Véronique Guidalin. Je pense que retardé. Valérie Houed, absente, a donné pouvoir à Marie-Josée Allen. Très bien. Allez, on passe à l'approbation des procès-verbaux. Nous en avons deux à vous soumettre. Celui du 21 mars 2022 et celui du 16 mai 2022. Après en compte vos demandes, M. Bory, est-ce que ces deux procès-verbaux... demande encore des explications ou pas. Monsieur Bory. Alors, sur celui du 21 mars, les modifications proposées ont été acceptées, d'après le tableau reçu récemment. Hein. Donc, il n'y a pas d'ajout particulier pour ce qui concerne donc ce PV du mois de mars. On passe au mois de mai, où... Oui. Oui, on peut ouais. Continuer. Alors, pour le mois de mai, il y a un certain nombre de propositions qui ne sont pas retenues, avec l'argumentation habituelle qui est développée concernant l'absence de débat lorsqu'il y a des questions orales. Bon. Donc, nous, on n'est pas d'accord, puisque ces débats ont lieu, ou alors il faut interdire les débats et l'écrire fermement dans le règlement intérieur. Donc, écrire que les questions orales ne donnent pas la possibilité d'échange entre les personnes suite aux réponses. Écoutez, bon, je pense qu'on est très clair là-dessus. Hein. Les questions, vous les posez en temps et en heure le jeudi au dernier moment. Nous, on prend le temps chaque fois d'essayer de vous y répondre, voilà, de répondre au mieux en fonction des éléments qui sont les nôtres en toute transparence. Et on fait une réponse. Ceci étant, ces questions-réponses ne doivent pas nécessiter des débats, puisque c'est simplement des réponses à vos questions initiales. Voilà, c'est tout. Donc, c'est la raison pour laquelle on écrit simplement la question avec les réponses qui sont proposées par la majorité. Oui, mais bien souvent, ces questions, suite à la réponse, appellent à une réaction qui fait partie des échanges qui ont lieu dans le cadre du conseil municipal. Donc, il n'y a aucune raison qu'elles ne figurent pas dans le cadre du procès verbal du conseil municipal, okay, puisque ces questions orales font partie du conseil municipal. Bien sûr. Mais après, on répond à ces questions parce qu'on veut bien parfois faire un débat, même si au fond de nous-mêmes, on n'est pas obligé de le faire. Voilà. Donc, on le fait par souci de transparence. Monsieur Surtout, dans la question concernant la question orale 1, Monsieur Bertorello s'est exprimé et en plus, bon, il s'est exprimé quand même par rapport à la réserve qu'on a faite. Donc, à un moment donné, je ne vois pas pourquoi, sur les entreprises privées, vous avez été d'accord pour dire qu'à un moment donné, vous êtes intervenu. Je vous signale que deux jours après, j'ai vu l'équipe qui a travaillé devant, c'était toujours pareil, sans gilet et sans protection, en plus sans signaler les travaux. Donc je pense qu'à un moment donné, bon, c'est pas quand même quelque chose, et je vois que Pierre Bertorello
a bien dit qu'à ce compte-là, ça méritait un courrier éventuellement à l'entreprise qui travaille. Non, ça a dû être fait, c'est pas besoin. Mais on me fait confiance à eux aussi. C'est pour ça que je vois pas pourquoi aujourd'hui on refuserait éventuellement. Parce que c'est une question là, et puis après ça va être les autres questions. Je veux dire, voilà, on essaie de passer quand même le moins de temps possible. Transcrire les débats, parce qu'il y a autre chose aussi à faire à la mairie. Voilà, donc c'est une question de principe et en même temps de gain de temps. Voilà. De toute façon, même si on répondait à ces questions-là, si on mettait le détail, vous allez contester ces faits-là, les propos, donc il y aura toujours forcément des retours qui seront faits entre vous et nous. Donc voilà, on essaie de simplifier le déroulement. Que je sache, à la métropole, j'ai un conseil communautaire jeudi, toute la journée, l'émotion, le soir, ne sont pas retranscrites. Voilà. Elles ne sont même pas obligatoires. Oui. Mais elle n'a pas besoin de... On n'a pas besoin du quorum. On pourrait être que tous les quatre, à 18h30 ou à 20h, parler des questions diverses. Pas besoin du quorum. Donc voilà, vous savez très bien donc, le cadre juridique. Écoutez, on a un règlement, et je pense que voilà, vous l'avez appliqué, on l'a voté, et pour l'instant, il est d'actualité. Donc si vous êtes contre, vous allez être contre ce procès-verbal, et on va passer au conseil municipal. D'accord. Bon, donc pour le PV du mois de mars, vous le validez. Nous adopterons avec tout le monde le procès-verbal. Pour celui du mois de mai, nous ne l'adopterons pas. Voilà. Donc, il y a quatre voix contre. Ça, c'est pour le lotissement, il se trompe de ça. Bien, allez, on passe au point suivant qui est maintenant l'ordre du conseil municipal. On va passer aux décisions, pardon. Donc sur la 17, je pense qu'il y a une erreur, on l'a déjà prise la dernière fois, donc je vous propose de le passer à la 18. Hein, voilà, donc, on reconnaît que... Voilà, donc c'est fait, et voilà, il n'y a pas besoin d'y revenir, puisqu'on a fait lecture la dernière fois. C'est la... Oui, monsieur Combe. Combien de temps elle est valable pour la convention, là? Moi, je pense tous les ans. Fabien, la convention sur les petits bateaux, c'est tous les ans? Tous les ans. Voilà. OK. Voilà, on la prend en début de saison, et jusqu'à la saison, avec un tarif. Tout le monde. Voilà. Hein. Ensuite, l'attribution, c'est la location d'entretien de vêtements de travail pour la restauration scolaire. C'est une obligation, bien sûr. Le marché est attribué à l'entreprise initiale, qui est basée à Toulouse, pour un montant maximum de 15 000 euros. Donc voilà, bien sûr, pour tout ce qui est location de vêtements et en même temps l'entretien, c'est-à-dire lavage ou autre, on passe par cette société-là pour, bien sûr, pour le côté hygiène et sécurité au niveau de la restauration scolaire. Oui, monsieur Combe. Excusez-moi, au niveau de la métropole, il y avait à un moment donné un service qui faisait éventuellement l'entretien des vêtements et tout, ça n'y est plus, au niveau de la métropole, de la mairie. Je sais qu'à un moment donné, ça y était, donc c'est pour ça que je pose la question. Je sais qu'il y a des marchés qui sont faits par la ville de Toulouse sur la restauration, comme sur le théâtre du Capitole ou autre, voilà, il y a des... Mais nous, on est à la ville de Bruyères, bien sûr, on n'a pas mutualisé. Il n'y a pas de mutualisation, il n'y a pas une commission d'appel d'offres qui a ouvert ça aux différentes villes. Voilà, chacun est libre de prendre le prestataire qu'il souhaite dans la mission. En respectant le cahier des charges et bien sûr en respectant surtout le prix voulu. C'est bon pour ce point-là. Décision suivante à 19, mais c'est des attributions concernant l'AREA du groupe scolaire. La première, c'est la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour l'opération de REA du restaurant scolaire et des espaces allaillés du groupe scolaire existant. Le marché est attribué à l'entreprise Bureau Alpes Contrôle à Toulouse pour un montant de 3 622,50 € hors taxes. Je crois que c'est le même bureau que pour le groupe scolaire nouveau qui est en cours de construction. La 20, c'est attribution mission de contrôle technique pour l'opération de REA du restaurant scolaire et des espaces allaillés du groupe scolaire existant. Nous avons pris APAV, qui est connu bien sûr Sud-Europe à Toulouse, pour un montant de 6 788 €. La mission d'ordonnance de pilotage et de coordination pour l'opération de REA du restaurant scolaire des espaces allaillés du groupe scolaire existant. Le marché est attribué à l'entreprise ACM à Toulouse pour un montant de 6 381 € hors taxes. Et le dernier, c'est l'AMO, la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un diagnostic de territoire dans le cadre de l'élaboration de la convention territoriale globale, c'est le CTG,
puisqu'on y reviendra là, puisqu'il va y avoir des réunions importantes courant juin. Le marché est attribué à l'entreprise Elan Saint-Denis pour un montant de 29 100 € hors taxes, sachant que la CAF participe à hauteur de 80% au niveau de cette dépense. Voilà. Est-ce que ça suscite des commentaires? Est-ce que voilà, c'est bon, on peut passer au niveau du conseil municipal des délibérations. On y va. Donc, M. Bertorello est retardé, je vais vous proposer des délibérations qui le concernent par la création de 2 postes d'agents techniques polyvalents permanents à temps complet. Vu le code général, toujours le même, conformément à l'article 34, il appartient donc au conseil municipal de fixer les effectifs des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Considérant la nécessité de créer 2 emplois d'agents techniques polyvalents permanents à temps complet pour le centre technique municipal et le service entretien. Ces 2 emplois d'agents techniques polyvalents pourront être pourvus pour un agent fonctionnaire de catégorie C dans la filière et grade mentionné ci-dessous. Filière technique, cadre d'emploi agent technique territorial, grade agent technique C1. L'emploi pourrait être occupé pour un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale de 1 an. En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, sa durée pourrait être prolongée dans la limite d'une durée totale de 2 ans. Lorsqu'au terme de la durée fixée au 2e alinéa de l'article L332-14 du Code général de la fonction publique, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. C'est-à-dire, s'il n'y a personne, on peut faire différemment. Par dérogation, l'emploi pourrait être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article L332-8 du Code général des publics. Les traitements seront calculés par référence à l'échelon et au grade. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposé, de préciser que les crédits nécessaires à la rémunération et en charge des agents nommés dans l'emploi seront inscrits au budget, d'autoriser M. le maire à signer tous les actes à cette création d'emploi. Donc il s'agit, et on s'en félicite, de titularisation, c'est ça, hein. Donc on a eu 6 titularisations qui sont proposées, et on avait besoin de créer certains postes pour que les agents puissent y prétendre. Hein. Donc on a titulé des postes au CTM et à l'entretien, voilà. Et à la cantine. Voilà. Donc on a fait en sorte de consolider les équipes, hein, et ça va dans le sens que vous souhaitiez, M. Gomme, hein, d'avoir aussi ce statut de fonctionnaire pour ceux et celles qui parfois l'attendent depuis un certain temps. Et nous, très honnêtement, quand on a des agents de qualité, on souhaite bien sûr les conserver le plus longtemps possible pour une stabilité au niveau du travail et au niveau de l'encadrement, voilà, et au niveau aussi du rendu. Hein. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mais bon, ça va dans le sens, bien sûr, que tout le monde souhaite, hein, de titulariser les agents, hein, dans un contexte que l'on connaît, qui est quand même difficile au niveau de l'emploi. Hein. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer aux voix. Qui vote contre, ou est-ce qu'il y a des refus de vote, hein, des abstentions? Tout le monde est favorable, c'est voté à l'unanimité, et je vous en remercie. On passe à la 39, création d'un poste d'éducateur territorial des jeunes enfants, UJE, à temps complet. Et on passera en suivant, si vous êtes d'accord, à temps non complet. Pourquoi? Parce que la loi nous oblige à avoir un UJE au niveau de la crèche, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire un cadre A. Donc on a une infirmière, mais maintenant on nous oblige à avoir un mi-temps cadre A UJE. Donc voilà. Et pour trouver un UJE à temps complet, à temps non complet, partiel, c'est très compliqué. Venir faire 20 heures et pouvoir les cumuler avec une autre ville, tout le monde a les mêmes besoins, pas forcément les mêmes jours. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir un poste à mi-temps et on va ouvrir un poste à temps complet. Et on verra si on a la chance d'avoir quelqu'un à mi-temps, et si on n'a pas, on fera prendre cette personne-là à temps complet. Et on rajustera les heures avec les autres, avec ceux qui sont contractués, pour ne pas avoir quand même de personnes en sureffectif. Donc voilà, on ouvre 2 postes, je vous ai un peu résumé. Toujours le code général, l'école générale de fonction publique, bon, je vous dis un peu, on va passer aux choses les plus importantes. Considérant la nécessité de créer un emploi permanent à temps complet d'éducateur de jeunes enfants pour la crèche municipale afin de répondre aux nouvelles exigences réglementaires. J'y tiens. Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière, il sera mentionné ci-dessous. Filière médico-sociale, cadre d'emploi éducateur territorial de jeunes enfants, JE. Grade éducateur territorial de jeunes enfants. L'emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale d'1 an.
en cas de recherche infructueuse, c'est le cas, ce que je disais auparavant, sa durée peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de 2 ans, et c'est entre personnes, lorsqu'au terme de la durée fixée au deuxième alinéa, du code général de la fonction publique, la procédure de recrutement pour pouvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir, c'est-à-dire que dans le cas où on n'a trouvé personne, on ne pourra pas d'un contractuel renouveler une fois sur 2 ans. Par dérogation, l'emploi pourrait être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article L332-8 du Code général de la fonction publique. Les traitements seront calculés par référence à l'échelon et au grade. Il est donc proposé, je vous propose, d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposé, de préciser que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans l'emploi seront inscrits au budget, bien sûr, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes liés à cette création d'emploi. Et si vous êtes d'accord, je passe à celle qui... Le maire, au centre de gestion, on n'a pas pu trouver éventuellement... Mais on n'a pas cherché encore. Si vous voulez, on passe les délibérations. Okay. Ensuite, on va lancer le mi-temps. Mais si on ne trouve personne en mi-temps et qu'on n'a pas des conseils municipaux tous les 15 jours, et qu'on ne peut pas bloquer aussi, je pense que c'est prévu pour la rentrée, sûrement, la rentrée 2022... à partir de septembre, pour ne pas être coincé l'été sur un recrutement, on ouvre les deux et on fermera l'autre. Dès qu'on a embauché, on vous dira bien sûr si c'est un mi-temps ou un temps complet, on rééquilibrera les heures à la crèche et on fermera le poste vacant, c'est-à-dire le mi-temps ou le temps complet. Voilà. Et pour l'instant, c'est plus administratif que dans la recherche, mais on va pas tarder. Ensuite, donc celle à mi-temps 17-5-35e, c'est la même délibération considérant la nécessité de créer un emploi permanent à temps non complet jusqu'au site d'éducateur de jeunes enfants pour la crèche municipale. Afin de répondre aux nouvelles exigences réglementaires, cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A dans la filière et grade mentionné ci-dessous, filière médico-sociale, éducateur territorial de jeunes enfants, éducateur territorial de jeunes enfants, éducateur territorial de jeunes enfants de classe exceptionnelle au niveau du grade. Et pareil, même cas de figure, il peut être un contractuel, si le cas échéant, on n'a pas de fonctionnaire, il peut être reconduit d'un an si le poste n'est pas pourvu par un fonctionnaire également. C'est le même paragraphe que les deux dernières délibérations. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposé, de préciser que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans l'emploi seront inscrits au budget, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes liés à cette création d'emploi. Voilà, donc proposition bien sûr sur la délibération 40 et 41. Non, 40 et 39, pardon, voilà, de respecter le cadre de loi pour la crèche municipale. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je passe aux voix, la 39-40 qui vote contre, qui s'abstient, pas d'abstention, pas de vote contre, tout le monde vote à l'unanimité, c'est adopté et je vous en remercie. On passe à la 41, c'est la création d'un poste de policier municipal temps complet. Même cas de figure, là, c'est pour un recrutement possible, qu'on va lancer très rapidement, peut-être à partir de lundi, sur un grade supérieur peut-être à celui qu'avait Valentine, qui est partie à Boulogne, au 1er juin, c'est ça ? Au 1er juillet ? 1er juillet, voilà, 1er juillet, Valentine, qui était notre policière municipale, et qui l'est encore, a muté à Boulogne, pour des raisons... Et la troisième, là ? Oui, c'est ça. Voilà. C'est celle qui est arrivée dernièrement et qui, pour des choix personnels, a opté pour la police municipale de Boulogne. À la demande du maire Boulogne, qui nous a demandé de la libérer au 1er juillet, on a accordé cette dérogation, parce que normalement, elle aurait dû partir au 1er septembre. Et on va s'atteler très rapidement à remplacer cette personne-là, au moins pour avoir un policier municipal souhaité pour la fête locale. Voilà. Et vu la difficulté à recruter, honnêtement, dans ce secteur, deux choses. La première, on se permet d'avoir une catégorie supérieure que Valentine, pour être un peu plus attrayant. Et d'autre part, on en parlera plus tard, on reverra peut-être un peu le régime indemnitaire de nos policiers, qui est vraiment en dessous, je dirais, de ceux qui se fait ou qui se font dans les autres villes, et notamment sur la ville de Toulouse. Donc c'est vrai qu'on est peut-être dans ce secteur-là, pas tout à fait attrayant. Il y en a beaucoup de difficultés à recruter. Donc on va se pencher rapidement sur la question de l'IT. L'IAT, voilà, je vais y arriver. On a parlé tout l'après-midi, mais je vais y arriver. L'IAT, voilà.
Donc on en parlera, c'est un prochain conseil. Mais là, on se permet de passer cette délibération que je vais vous lire. Oui, monsieur Bourri. Oui, avant que vous lisiez la délibération, ouais. Le fait que l'agent qui va partir sur Bouloc quitte son poste, elle libère son poste. Donc est-ce qu'on maintient ce poste à Bruguière, dans la liste des postes, puisque on ouvre un nouveau poste avec un grade supérieur? Si vous voulez, l'avantage, c'est qu'on peut avoir plusieurs grades. Ouais. De ce fait-là, recruter sans délibérer. C'est-à-dire ouais, on a ça, déjà, permet, ça donne on a plus déjà, de latitude pour le recrutement. On a une certaine souplesse. Après, au conseil municipal, on fait état, bien sûr, de l'effectif. Vous avez le tableau qui a été mis à jour. Et ensuite, bien sûr, on répond à vos questions en disant la personne peut se présenter, la catégorie que là, voilà, tout à fait. Nous, ça nous permet un petit peu d'une certaine souplesse dans le recrutement, dans un secteur qui est vraiment compliqué à trouver. Donc l'idée, voilà. Et ensuite, bon, je ne vous cache pas que d'ici un an ou deux ou trois ans, on a aussi la volonté de passer à 4 policiers municipaux, et notamment pour, avec l'ouverture du deuxième groupe scolaire, de la livraison. On est à 3 actuellement. Monsieur le maire, non, mais avec celui qui était en congé, je ne sais pas comment, là. En dispo. Ouais, donc, bon, pour l'instant, ils sont il en dispo. Toujours, mais... Il est toujours en dispo. Oui, on en a un en dispo. Oui. Et on ne peut pas prendre quelqu'un à sa place Mais en dispo, si, on peut. Mais si un jour il revient, on est un sureffectif. Et surtout financièrement, difficile, je dirais, à absorber. Non, parce que quand on regarde la commune, quand même, elle a évolué en population et tout, vous dites qu'il y a le groupe scolaire qui arrive éventuellement l'année prochaine, ce qui veut dire que quand on regarde l'effectif, on est à 5, là, sur le papier. Donc, là, vous parlez de 3 dans un premier temps, ce qui me semble que quand on voit l'évolution de la population aujourd'hui, c'est quand même un peu juste. Donc, effectivement... Quand on préférerait éventuellement qu'on ait une police nationale un peu plus importante sur la métropole et sur les notamment par rapport à la gendarmerie et tout, hein, parce qu'effectivement aujourd'hui, on a un effectif peut-être à la gendarmerie qui n'a pas évolué depuis quelques années, et qui fait qu'aujourd'hui, dans le nord toulousain, on est en train d'exploser de partout au niveau de la population, et qu'à un moment donné, on se retrouve quand même en difficulté dans ce domaine-là, quoi. Hein. Donc, alors, pour vous répondre, monsieur Comte, d'abord, on n'est pas 5, parce que les dispo, on en a partout. À la mairie, on en a à la médiathèque, on a dans tous les services des gens qui sont en dispo. Il y a une nouvelle loi maintenant qui est en vigueur, qui vous autorise à être en dispo pendant 5 ans, c'est ça, je crois. Ça, il faut que vous preniez une décision ou de démissionner ou de réintégrer la ville, enfin, là où vous travaillez. Donc la nouvelle loi maintenant. Ça fait les 5 ans. Non, mais la nouvelle loi, elle n'est que depuis un an ou deux. Elle n'est pas rétroactive. Hein, donc. Voilà. Donc dans 3 ou 4 ans, peut-être on lui posera la question. Donc, donc la loi, elle est comme ça, on la respecte. Hein, mais voilà. Ceci étant, donc, nous sommes actuellement à 2 policiers, puisque bon, Valentine part au 1er juillet, elle n'est plus en service. Elle a rendu son arme et tout, voilà, la semaine dernière. Donc nous sommes 2, nous allons passer à 3 avec les délibérations. La délibération que je vous propose est celle qu'on a, qui est celle qui existe avec Valentine, d'accord. Et ensuite, la proposition qu'on vous fera dans un an ou deux, c'est d'embaucher un 4e policier, plus Aurore Pressa, qui fait office de secrétariat et en même temps aussi de surveillance de sites, hein, comme la base de loisirs, l'accréditation, et elle fait aussi la sortie des écoles. Donc, on est à 4,5. On sera à 4,5 dans un an ou deux. Pour l'instant, nous sommes 2. Et pour la fête locale, ma volonté, c'est d'être au moins 3, voilà, pour l'équilibre qui est celle. Ensuite, pour vous répondre en toute transparence, j'ai reçu le nouveau, le lieutenant s'en va, donc il est presque parti, et on a reçu le nouveau capitaine, avec Didier, voilà, et je peux vous assurer que la police nationale est présente, elle a été tout ce week-end, moi j'étais au courant avec Didier, mais sur la réunion, sur des contrôles d'alcoolémie et de vitesse pendant 2 soirées, hein. Certains pourraient en témoigner. Voilà, donc là-dessus, on a été vraiment très discrets, et jusqu'à minuit, ils étaient là tous les soirs. Et je vous promets que là aussi, la nuit, il tourne. Bien sûr, il faut être dehors et debout et réveillé pour les voir. Mais voilà, et je pense qu'on a une police, une gendarmerie, à mon sens, qui est, à mon sens, efficace. Voilà. Et nous sommes en lien très étroit, bien sûr, avec le nouveau capitaine qui prendra ses fonctions le 1er août. Donc là, je vais vous lire la création d'un poste de policier municipal. Toujours les mêmes codes, le code général, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organisme délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Considérant la nécessité de créer un emploi à temps complet de policier municipal afin de procéder au remplacement d'un agent suite à une mutation. Filière police municipale, cadre emploi, agent de police municipale, APM, policier municipal, grade brigadier, chef principal, ce qui est possible, ce qui est probable. L'emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale d'un an, en cas de recherche infructueuse, c'est toujours le même paragraphe, de candidat statutaire, sa durée pourra être prolongée dans la limite d'une durée totale de 2 ans. Lorsqu'au terme de la durée maximale du deuxième alinéa de l'article L332-14 du Code général de la fonction publique, la procédure du recrutement pour pouvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir, c'est-à-dire qu'on n'a trouvé personne. Par dérogation donc, l'emploi pourrait être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article L332-8 du Code général de la fonction publique. Les traitements seront calculés par référence à l'échelon et au grade. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposés, de préciser que les crédits nécessaires à la rémunération et à charge des agents nommés dans l'emploi seront inscrits au budget, et bien sûr d'autoriser M. le maire à signer tous les actes liés à cette création d'emploi. Voilà. Donc côté contractuel, c'est très compliqué dans la police municipale. Souvent, ce sont les SVP. Donc, bien sûr, moi, je suis assez favorable à avoir des policiers municipaux. Hein, donc, si on n'a pas le choix, mais se retournant vers le SVP, mais ma volonté première est celle du groupe que j'anime. Ils n'ont pas les mêmes dérogations. Voilà. Après, ce n'est pas la même fonction, ce n'est pas aussi voilà, le même salaire, et ce n'est pas la même formation surtout. Voilà. Donc ils ne sont pas armés, voilà. Il y a aussi des contraintes et des écarts. Voilà. Donc on verra bien, on reviendra vers vous dès qu'on aura... Recruter, en espérant qu'on va trouver rapidement et surtout avec les délais de 3 mois, arriver à retrouver quelqu'un au moins pour le mois de septembre qui est au moins aussi très chargé comme celui du mois de juin. Voilà. Éventuellement, monsieur le maire, vous pourriez nous dire un prochain conseil, le nombre de gendarmes sur Saint-Jory éventuellement? Sur Saint-Jory, oui, on peut le savoir, sur 26, non? 31, excusez-moi. C'est une des plus grosses brigades. Hein. Le lieutenant qui s'en va et le capitaine qui arrive, il vient de Grenade. Il avait une brigade plus petite, pour un gris qu'il a un grade plus important, il est capitaine. Et la difficulté, c'est qu'il avait énormément de villes autour. Je ne sais plus combien, Didier, vous avez dit 12 ou 14 villes autour de Grenade. Ouais. Et donc, il avait beaucoup de difficultés. Voilà, ici, c'est plus, voilà, c'est plus concentré, ça lui va, pour faire des opérations plus ciblées. Après, il y a vos invigilants, voilà, on a toute cette volonté de travailler avec lui et le major, on a un très bon major aussi. De façon à continuer ce lien, parce que franchement, le lieutenant qu'on avait, c'était un lieutenant qui était vraiment très très bien, et qui a fait un travail de proximité et d'écoute, et était disponible. Voilà, moi je vous avoue que j'ai vraiment apprécié ces 4 années passées avec lui. Oui, Didier Robert. Après, on est aussi en contact avec... la responsable de Fenouillet, ce qui fait qu'on a toujours un interlocuteur et honnêtement, c'est hyper dynamique, ils trouvent toujours des solutions. C'est très très agréable de travailler avec eux. Voilà, donc je vous propose de passer cette délibération 41 aux voix. Donc qui vote contre? Refus de vote? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité et adopté. Je vous en remercie. On passe à la 42. Organisation du travail des agents municipaux. Alors, vu le code général 83-634 du 13 juillet, très bonne date, 1983, modifié portant droit aux obligations des fonctionnaires. Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifié portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale. Vu la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment sur l'article 47. Vu le décret 85-250 du 26 novembre 1985, modifié relatif au congé annuel. Vu le décret 2815 du 25 août, modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État. Vu le décret 2001-623 du 12 juillet 2001, modifié pris pour l'application de l'article 7.1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail de la fonction publique territoriale.
Vu la circulaire du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 mai 2022, c'est récent, invitant l'ensemble des communes à délibérer sur l'organisation du temps de travail au sein de leurs services, vu la délibération du 15 novembre 2001 sur la mise en place de l'aménagement et la réduction du temps de travail, vu la délibération en date du 26 juin 2021 portant sur la mise en place d'un cycle annualisé à 1607 heures dans les services d'animation, vu l'avis technique en date du 8 juin 2022, c'est récent aussi, considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures et dans ce délai d'un an à compter d'un renouvellement des assemblées délibérantes. Considérant que la définition, la durée et l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l'organe délibérant, après avis du comité technique, considérant que le décompte du temps de travail effectif s'effectue sur l'année, la durée annuelle du travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être accomplies, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'arrêter l'organisation du temps de travail des agents municipaux de la façon suivante. Étant précisé que le temps de travail hebdomadaire pour un agent à temps complet est de 39 heures. Nombre total de jours sur l'année, 365 jours. Repos hebdomadaire, 2 jours fois 52 semaines, ça fait 104 jours. Congé annuel, 5 fois les obligations hebdomadaires de travail, c'est-à-dire 25 jours. Jours fériés, 8. RTT, 23. Nombre de jours travaillés, 205. Nombre de jours travaillés, égal nombre de jours fois 7,8 heures pour les 39 heures, fois 1599 heures, arrondi à 1600 heures. Plus journée de solidarité, c'est le lundi de Pentecôte, c'est-à-dire 7 heures, ce qui fait au total réglementé et réglementaire de 1607 heures. Il est rappelé que les agents du service animation sont soumis conformément à la délibération du 28 juin à un principe d'annualisation. Les conditions sont définies par délibération précitée. C'est ce qu'on avait évoqué, c'est-à-dire pour être attractif au niveau des centres de loisirs, on annualise pour leur permettre d'avoir un salaire aussi mensuel qui puisse être, je dirais, toujours le même. Autrement, ils pourraient toucher 500 euros comme 1500 selon les heures faites. Donc, annualiser nous permettait aussi de leur permettre d'avoir un salaire décent et aussi permettre aussi un recrutement plus facile. Par ailleurs, l'organisation de travail doit respecter les garanties minimales si après définies. La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours de la même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période qu'elle compte de 12 semaines consécutives. Ça touche surtout le Pascal. Et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures. La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures par jour. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 heures. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures, ou une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Il est proposé au conseil municipal de valider l'organisation du temps de travail tel que présenté ci-dessus pour une entrée en vigueur immédiate. Voilà. Donc on se conforme un petit peu à la réglementation. Bon, je vous avoue, c'est passé un CT, on a fait une réunion du personnel vendredi où on a évoqué ce sujet-là. Ça n'a pas suscité de réponse ou de questions, sauf une venant du Bascala, voilà, qui a été le mérite d'être posé. Donc M. Bertorello a bien répondu. Voilà. Après, je ne pense pas qu'il y ait trop de questions là-dessus, mais ça permet de clarifier le temps de travail et d'avoir quelque chose, je dirais, de bien défini que les services et les pôles municipaux vont tenir de prix. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Combes? Oui, parce que, bon, effectivement, j'espère qu'on peut maintenir ces horaires, parce que quand je vois comment ça se maintient dans la santé, aujourd'hui, où effectivement, on a des temps de repos et éventuellement et de travail, et aujourd'hui ça explose complètement au niveau de la santé, donc effectivement quand même ça fait poser des questions. Je vous dirais que le Conseil d'État, à la demande de certains maires, a été saisi concernant
parce que cette loi portait atteinte aux droits des libertés garantis par la Constitution, notamment sur le principe de libre administration des collectivités territoriales. Et en principe, c'est le Conseil d'État qui va se prononcer, parce qu'effectivement, sur la loi de 1607, apparemment, le Conseil d'État a été saisi là-dessus, quoi. Et donc, effectivement, peut-être qu'il y aura un retour en arrière, ce que moi j'espère, parce que effectivement, aujourd'hui, on peut aller vers une diminution de temps de travail, et je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, on augmenterait le temps de travail éventuellement, quoi. Voilà, c'est pour ça. Alors, je suis... Ça, c'est une question. La deuxième, vous deviez me faire passer le CT, le rapport du CT. J'attends toujours. Pardon ? Il est en cours encore. Et la prochaine séance a lieu quand ? Heureusement que ça ne fonctionne pas comme ça à la métropole. C'est un peu plus rapide. Écoutez, nous, on a fait un conseil, c'était quand même le 8, voilà. Donc, on fait un compte rendu qui va être transmis au délégué de la ville, voilà, et ensuite validé par moi-même, et puis voilà. Alors, on le fera passer dès qu'il sera fait. Après, je pense que les 1607 heures, on les faisait, nous, déjà. Et pour nous, il n'y a pas de gros changement, c'est pas brutal, hein, voilà. Nous, avant, on avait vraiment anticipé, on était vraiment... On était dans la règle et on n'a pas eu forcément des changements à faire, comme certaines communes ont connu, je dirais, des difficultés à appliquer les 1607 heures. Nous, chez nous, c'était quelque chose qui était déjà appliqué par le service RH. Monsieur Boury. Oui, sur la commune de Bruguière, les 1607 heures étaient déjà appliquées auparavant, en amont de cette loi. Oui. Donc c'est pour ça que ça ne pose pas de question particulière, contrairement à d'autres communes, d'où la saisine du Conseil d'État, hein, qui fait que bon, il y a des arbitrages qui vont être rendus. Bon, sur la commune de Bruguière, ça ne devrait pas changer grand-chose, puisqu'il n'y a pas eu d'évolution du temps de travail obtenu par les revendications des agents, hein, puisque c'est comme ça que les négociations ont pu avoir lieu sur une commune comme Toulouse, où il y a des adaptations selon les services du taux horaire. Donc il y a causé un certain nombre de problèmes de négociation. Bon, sur la commune de Bruguière. Alors, après le Conseil d'État revenant là-dessus, je ne sais pas s'il reviendra sur la validation de la loi ou pas, on n'en sait rien. Par rapport à ça, on est dans l'expectative sur les possibilités de négocier des aménagements du temps de travail dans les collectivités. Moi, je pense qu'on fait, ça m'étonnerait qu'il revienne là-dessus, mais enfin, après. Bien sûr, on appliquera, bien sûr, s'il y a une loi qui change. Même qu'on a quand même des agents qui sont avec des travaux pénibles, et par rapport à d'autres, là aussi, aujourd'hui, il n'y a pas de reconnaissance. C'est pour ça qu'à Toulouse, il y a eu des petits problèmes, même à la métropole, parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous savez que la police, je pense que si je ne me trompe pas, sur la mairie de Toulouse, n'a pas été... touchés par ce régime-là, hein, puisque effectivement ils ont des horaires quand même tout à fait différents, et c'est considéré comme ceux qui travaillent aux poubelles et autres, avec des travaux pénibles, et à un moment donné, ce serait quand même logique d'en tenir compte, parce qu'effectivement, ça aussi, ça fait quand même une grosse différence dans les catégories, surtout les catégorisées, vous savez, 80% de la catégorisée aujourd'hui, c'est juste le SMIG. Après, c'est une loi, et après, on l'adapte en fonction, je dirais, de la volonté de chaque ville. Sur les travaux pénibles qui sont ceux de Bruguière, s'il fait chaud, on décale les horaires. Voilà, on fait en sorte que le personnel puisse être dans les meilleures conditions possibles. Et puis, il y a des délégués aussi syndicaux ou CCT qui aussi nous alertent. C'est le cas échéant, il y avait un service pour lequel on n'avait pas anticipé tout ça, comme la cantine ou autre chose. Voilà, donc on est quand même très soucieux. Je pense que nous, les élus aussi, ou ceux qui ont des délégations, le sont aussi. Ils nous font remonter parfois certaines petites choses, de façon pour qu'on puisse anticiper, le cas échéant, chez certains, la pénibilité ou le mal-être. Bien, écoutez, je vous propose de passer aux voix. Qui vote contre ? Refus de vote ? Qui s'abstient ? Pas d'abstention ? C'est voté à l'unanimité, c'est adopté, et je vous en remercie. On passe au point 43. Alors là, il y a eu un petit loupé la dernière fois, on avait oublié 4 subventions dans la liste. Monsieur Combe avait raison. Oui.
Ah oui. Je ne vous ai jamais dit que vous aviez tort. J'ai simplement enlevé oublié quatre. C'est tout simple. La première, c'est que c'est les trois dont je voulais la délibération. Le Code général, la délibération 2022-16-05-32 en date du 16 mai, portant attribution des subventions sur, aux associations, considérant la nécessité d'apporter les rectifications à la délibération précitée compte tenu d'une erreur matérielle liée à un mauvais report des montants pour quatre associations, et donc proposer de modifier la délibération 2022-16-05-32 pour les quatre associations concernées, telles que présentées ci-après, et de maintenir les dispositions pour les autres associations. Il s'agit de la chasse qui avait 300 euros qui passe à 500. Il s'agit du motoclub qui avait 0, banque 2000 0 et anciens élèves 0 qui passe à 500, 1134 et 500 euros pour les anciens élèves. Tout ça parce que l'année dernière, d'une part, la chasse avait fait un dossier incomplet. Hein, donc, pour ne pas pénaliser la chasse à zéro, de 500, on avait 1300, une somme d'office d'autorité, mais on ne voulait pas mettre zéro. La chasse n'avait pas fait le dossier tel que la loi le demande. Et ensuite, les trois autres, période de Covid, avaient demandé de ne pas avoir la subvention. Donc, si vous voulez, cette année, bien sûr, il la réclame, ce qui est tout à fait légitime, mais dans notre tableau Excel, on est resté à zéro, ce qui est une erreur, hein, voilà. Et donc, je vous propose, bonsoir, de rétablir l'équilibre et de verser à la chasse les 500 euros, qui est le maximum pour leur catégorie, motoclub 500 euros également, 1134 euros à bac 2000, et de verser 500 euros aux anciens élèves. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport aux critères légaux de la critérisation municipale. Pour la chasse, ils ont changé de président ? Oui, je crois. Ouais. Ok. Est-ce qu'éventuellement, là, il serait bien de voir, parce qu'on en a déjà discuté, mais pour la chasse aux sangliers, j'aimerais quand même qu'on arrive à trouver une solution pour éventuellement, quand ils dépècent les animaux, que s'ils le font dans la nature parce qu'ils ne peuvent pas le faire autrement, est-ce que ça serait possible d'avoir des locaux pour eux, comme à CP, c'est une commune qui n'est pas quand même comme nous, ils ont déjà. Donc, surtout que là, apparemment, des fois, il y a des gens qui se promènent et qui voient la situation. J'aimerais quand même qu'on arrive à trouver une solution pour ce genre de travail. Deux choses. La première, la chasse aux sangliers est validée par la préfecture et demandée par le préfet. Donc là-dessus, c'est pas nos clubs respectifs, hein, associations qui décident ça. Donc voilà, c'est très réglementé dans les secteurs, bien sûr, et c'est nécessaire, parce qu'il y en a de plus en plus. Hein. Deuxièmement, oui, on est conscient de ça, monsieur Combes. C'est interdit, d'ailleurs, parce que certaines pratiques se font, voilà, malheureusement, pour des questions d'hygiène, pour des questions qu'on peut comprendre aussi, ça peut choquer des gens, hein, également. Hein, voilà. Et ensuite, on a fait une réunion avec Saint-Sauveur, hein, il y a 6 mois, on doit en faire une autre, de voir avec Saint-Sauveur si on pouvait trouver un endroit et d'équiper un local, c'est un local qui peut être un AGECO, hein, parce qu'il leur faut simplement un point d'eau, caroler tout juste, et après pouvoir dépecer, nettoyer, c'est pas un clubhouse, c'est pas un endroit où ils vont manger, c'est pas un bar, pas du tout, c'est juste un endroit pour couper le sanglier et ensuite se partager les morceaux entre eux avec les différents chasseurs des deux associations. Donc on doit se revoir, hein, mais bon, force est de constater que personne n'a trop de solutions à proposer. Hein. On a parlé du ball trap de Saint-Sauveur. Il s'avère que quand ils partent chasser le sanglier, ça aurait pu être le ball trap, ça aurait pu être dans ce secteur-là. On s'est aperçu que les deux présidents qu'on a rencontrés aussi, quand ils partent, ils sont une cinquantaine de chasseurs, il y a 50 voitures. Donc il faut trouver aussi un endroit qui puisse garer en toute sécurité 50 voitures. Voilà. Donc à Saint-Sauveur, sur le palais où j'habitais, c'était pas possible. Donc voilà, donc on est en train de voir, pas dans un endroit trop perdu, il faut un endroit où on puisse avoir l'écoulement aussi, l'eau. On avait évoqué le cimetière à gauche chez nous. Voilà, on regarde les pistes et on doit revoir M. Petit, qui est très soucieux aussi du problème. Hein. C'était lui presque à l'initiative de la réunion. Et dès qu'on aura une solution durable, on reviendra vers vous pour vous en faire l'information. Voilà. Mais on connaît le problème et on s'en occupe. Voilà. Maintenant, on n'a pas des solutions à tous les problèmes, hein, surtout dans ce secteur-là. On risque de se retrouver avec une pétition à un moment donné sur des pratiques avec des photos qui circulent sur... Je suis conscient. Après, bon, on a aussi des présidents qui sont...
respectueux. Hein, moi, il m'a montré le tableau quand ils partent. Voilà, il y a un numéro de licence, des personnes, c'est un cahier. En fait, c'est hyper bien réglementé. Voilà, on a la chance d'avoir des présidents aussi qui respectent la règle, qui sont aussi autoritaires. Si quelqu'un dérape, voilà, tout de suite, il rentre dans le rang, ou il n'a plus sa licence. Hein. Voilà. On travaille avec eux et on vous dira si on a une solution à nos problèmes. Pour l'instant, je vous avoue qu'on patine un peu quand même. Voilà, donc je vous propose déjà de voter les quatre subventions oubliées. Qui vote contre? Qui s'abstient? Tout le monde vote favorablement. C'est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. On passe à 44 et je vais laisser le soin à Romuald de vous présenter cette délibération. Romuald, s'il te plaît. Donc, renouvellement de la convention pour la prestation de services pour le Conseil en énergie partagée, donc CEP. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L5211-16, L5215-27 et L5217-7, vu la délibération du Conseil de la Métropole en date du 16 décembre 2021 actant la poursuite du service de Conseil en économie partagée, vu le projet de convention annexé à la présente délibération, considérant que depuis le 1er avril 2019, Toulouse Métropole propose aux communes volontaires une mission d'accompagnement pour la réduction des consommations d'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables, cette mission prend la forme de Conseil en économie partagée, CEP. Il s'agit d'un service mutualisé permettant de partager une compétence énergie entre plusieurs communes n'ayant pas la taille ou les ressources suffisantes pour s'en doter en interne. L'objectif est de leur permettre de mener une politique énergétique maîtrisée de leur patrimoine public. Le CEP s'adresse en priorité aux collectivités de moins de 12 000 habitants. 11 communes de la métropole bénéficient de cette prestation. La contribution financière des communes adhérentes au service CEP a été établie de façon à rester inférieure aux économies financières générées par les actions préconisées par le CEP. De plus, les certificats d'économie d'énergie pourront permettre d'accroître le gain financier des communes. Considérant que la commune bénéficie déjà de cet accompagnement et qu'il convient de renouveler la convention pour pouvoir bénéficier de cette prestation de service, considérant la volonté de la commune de renforcer les actions pour générer des économies d'énergie et développer les énergies renouvelables, il convient donc de renouveler la convention liant la commune de Toulouse Métropole pour une durée de 3 ans et pour un remboursement à hauteur de 60 centimes d'euros par habitant, étant précisé que ce montant est valable pour l'année du renouvellement. Pour les autres années, les valeurs ne sont pas encore connues. Il est donc proposé au Conseil municipal de renouveler la convention pour le Conseil en énergie partagée, d'autoriser M. le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et de dire que les crédits sont prévus au budget. Donc en fait, comme c'est mentionné sur la délibération, depuis 2019, la métropole met à disposition donc des conseillers en énergie partagée. Pour ce qui nous concerne, c'est Mme Fanny Lamotte qui exerce cette mission auprès de nous. Donc c'est une mission de conseil et d'accompagnement. Et durant les 3 ans qui se sont écoulés, ils nous ont accompagnés notamment pour établir des documents de suivi pour les consommations des fluides, en fait, que ce soit gaz, électricité sur la commune et voir les améliorations que l'on pourrait apporter. Elle nous a accompagnés également pour ce qui est du marché CVC, c'est-à-dire chauffage, ventilation et climatisation, afin que le cabinet. Que le prestataire qui a été retenu est déjà un cadre assez complet de la commune en la matière. Récemment également, elle nous accompagne sur ce qui est appelé le décret tertiaire, c'est-à-dire tous les bâtiments communaux sont répertoriés avec un objectif de réduction des consommations énergétiques sur ces bâtiments-là. Ça, c'est la loi qui l'impose. Et puis récemment, on a également un accompagnement sur tout ce qui est photovoltaïque pour tout ce qui est bâtimentaire en fait sur la commune. Et on a eu une réunion vendredi d'ailleurs sur site pour voir les bâtiments communaux qui pourraient accueillir du photovoltaïque, que ce soit sur les toitures ou au sol. Donc c'est un travail assez intéressant de Madame Fanny Lamotte. Et en fait, il faut préciser que sinon, nous n'aurions pas les moyens financiers ou au moins le boulot suffisant pour embaucher une personne à temps plein sur la commune. Donc, c'est une prestation de la métropole qui nous est bien utile. Oui. Bien, merci Romuald. Oui, Madame Dallery. Oui.
Alors, on a eu récemment une commission avec M. Bory, notamment, la commission écologie, où on a, on va dire, listé un petit peu toutes les actions qu'on a menées. Et à l'intérieur, donc, il y avait les actions également menées avec le CEP. Mais on peut vous fournir un document qui fait le récapitulatif de tout ça. Tout à fait. Tout à fait. Oui. OK. Ouais. Pas de souci, Monsieur Bory. Une simple petite remarque qui serait intéressante de rappeler par rapport au photovoltaïque, ce qu'il en est comme élément important concernant les bâtiments qui pourraient être, ou les lieux qui pourraient être exploités pour développer le photovoltaïque. Ça a été évoqué à la commission écologie. Je crois que ça serait intéressant qu'on puisse l'entendre là en conseil municipal. Alors, ce qui concerne le photovoltaïque, donc la conseillère en énergie partagée, est associé avec un cabinet d'études qui est financé par Toulouse Métropole et qui finance, on va dire, une étude sur chaque commune, une seule étude, pour voir les caractéristiques des bâtiments qui pourraient accueillir de manière pérenne et puis également sur le plan économique qui soit viable, en fait. Donc, vendredi, on a une réunion là-dessus. C'est un cabinet qui vient de Lyon, me semble-t-il. Et donc, on a une réunion sur site et on a défini trois sites. Le Bascala, d'une part, notamment sur sa toiture. Bon, a priori, ça ne serait pas le côté le plus positif à ce jour. Mais bon, l'étude va quand même être faite. Ensuite, il y a le complexe sportif. Donc, sur le complexe sportif, il y a deux aspects. C'est que les gymnases, notamment le gymnase bleu, ça les intéresse pas mal apparemment, puisque c'est une toiture plate. Et donc, pas le rouge, le bleu. Donc, c'est une toiture plate qui ne poserait pas forcément de difficultés à la pose du photovoltaïque. Et puis également, comme on a le projet de couverture d'un terrain de tennis, ils nous ont proposé d'étudier cette possibilité-là en éventuellement intégrant les deux autres terrains de tennis pour faire un ensemble, une surface beaucoup plus importante qui serait pour le prestataire qui va faire l'exécution des travaux plus intéressante. Et nous, dans cette perspective-là, ça nous permet d'avoir des terrains couverts gratuits, on va dire. Voilà. Et le troisième site qui a été retenu, c'est le CTM, qui a personnellement nos faveurs, puisqu'en fait, sur le CTM, ce serait pour faire une extension de toiture sur l'existant, pour nous permettre de stocker les chalets qui sont actuellement un peu à tous les vents, et puis du matériel, etc. Donc là, c'est eux qui vont nous définir combien de surface supplémentaire il faut, mais bon, on peut faire du 200, 300, 400, 500 mètres carrés, peu importe. Voilà, ça, c'est pas important. Et ensuite, également, couvrir la toiture existante, qui ne poserait pas, a priori, de difficultés particulières, qui a une bonne exposition au soleil. Et également, il va étudier de manière conjointe, et ça, on n'y avait pas forcément pensé, c'est sur l'arrière, en fait, du CTM, entre le CTM et la station d'épuration, il y a un terrain, en fait, qui est inutilisé, et peut-être serait de poser du photovoltaïque au sol. Mais là, il y a peut-être l'ombre portée, on va dire, du bâtiment du CTM, qui risque peut-être de... au moins l'hiver, d'atténuer l'efficacité des panneaux solaires. Donc voilà, ça c'est une réflexion. Il y a eu également, comme ça, un petit peu à droite à gauche, on a regardé aussi pour mettre des ombrières sur les parkings. À ce jour, bon, il n'y a pas de projet plus avancé en la matière. Voilà, c'est les gros axes qu'on a développés. Mais le CTM conjugue plusieurs avantages. C'est-à-dire qu'on peut avoir une extension gratuite donc qui permettrait de stocker du matériel et donc de participer à du photovoltaïque sans engager les finances de la commune, en fait. C'est le prestataire qui se rembourse, on va dire, sur le photovoltaïque existant en le revendant à EDF. Et ensuite, également, on peut, au-delà de cela, également étudier les terrains de tennis au complexe sportif. Parce qu'en fait, sur ce niveau-là, on peut faire appel à un prestataire qui nous fera une étude et voir si c'est intéressant ou pas. Voilà. Bien, merci. De toute façon, pour les ombrières sur les parkings, on est limité par les manifestations comme la fête locale ou autre. Ouais, ouais. Après, il y a sur l'étude de faire, mais après, c'est vrai que cette étude, en plus, elle est payée par la métropole. Il y a une partie des parkings, pardon, qui n'est pas occupée aux forêts, en principe par les forêts. Ouais, je pense qu'il y a une grosse partie. Et surtout, le problème, c'est au complexe sportif, Albus, où là, il y a les caravanes. Au complexe sportif d'Albus, en fait, il y a une possibilité de faire des ombrières sur le parking
enfin, le grand parking entre le dojo, etc. Mais à ce moment-là, donc on a évoqué la possibilité, enfin, le fait qu'il y ait les camping-cars qui se gardent, dont certains sont assez hauts. Et donc, en fait, ils ont des possibilités d'ombrières, mais à hauteur de bus, en fait. Donc, comme ça, elles sont suffisamment hautes, ce qui permet quand même aux véhicules de passer en dessous sans difficulté. Ok. Bon, écoutez, merci pour ces éléments de réponse. Bien, allez, on peut le passer aux voix. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre cette délibération 44 des abstentions? C'est voté à l'unanimité et adopté. Bien, écoutez, je vous en remercie. On va demander à Fabienne Joyeux de faire la 45 et la 46, et surtout d'être peut-être plus restrictif sur la 46. Donc la 44, c'est le transfert du parking Claude Nougaro au bénéfice de Toulouse Métropole. C'est la salle que vous connaissez, Claude Nougaro. C'est la maison que nous avions achetée à M. Coulon. Nous avions le jardin et nous avions le bâtiment. Le bâtiment donc est devenu un bâtiment municipal. Par contre, le jardin est devenu un parking. Donc ce parking aujourd'hui est géré par Toulouse Métropole, et par cette délibération, nous transférons le parking à Toulouse Métropole qui en a la gestion. Voilà. Qui a la compétence, absolument. Par contre, est-ce qu'on a fait venir un géomètre et donc on a découpé la parcelle. Oui, il serait bien que le Pôle Nord embauche du personnel, parce qu'effectivement, pour qu'on puisse voir la métropole, hein, je m'excuse. Voilà, parce que apparemment, quand on discute avec les agents, c'est pas le chemin que l'on prend à la métropole. Alors, je fais une petite parenthèse en mettant ma casquette à Toulouse Métropole, mais en fait, les embauches, même pour les techniciens, etc., c'est extrêmement compliqué pour la même réponse qui a été faite pour la police municipale, c'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout attractifs, en fait, financièrement. Donc, on a des gens qui viennent, et puis quand on leur dit, ben voilà, vous allez gagner ça, ben, ils repartent, en fait. C'est pas... Voilà. Et après, sur la propreté, après, sur le domaine de la propreté, on a des effectifs qui sont suffisamment calibré, sauf qu'en fait, il y a des contraintes, comme le zéro phyto ou autre. Et donc, avant, là où ils faisaient une rue en 10 minutes, parce qu'ils phytosaient tout ça avec des produits chimiques, aujourd'hui, ils font avec une raclette. Donc, c'est long, pénible, et ça ne sert pas à grand-chose, puisque ça repousse. Après, pour répondre, être un complément de ce qu'a dit Romuald, l'organigramme du pôle est enfin terminé. Voilà, il y avait des endroits où M. Rabinovitch avait encore des recrutements à faire, et là, on a reçu ce matin, un organigramme qui reflète bien, je dirais, les fonctions de chacun. Il n'y a plus de trous, voilà, donc ils ont recruté pratiquement dans tous les secteurs, même de façon intermédiaire, peut-être pour anticiper Proxima, je ne sais pas, on ne va pas en faire un débat là-dessus, on le fait suffisamment à la métropole. Et ceci étant, pour rejoindre ce que vous disiez, oui, c'est vrai que, moi j'ai alerté le président là-dessus. Sur un petit déjeuner, j'ai dit qu'on avait des problèmes dans les pôles territoriaux parce que nous n'étions pas attractifs et nous étions en gros mangés par les autres institutions que sont la région, le département, voire les hôpitaux. Voilà. Donc de ce fait-là, le personnel, soit de qualité, ne reste pas parce qu'il y a 200 ou 300 euros de plus dans les autres collectivités, ce que j'entends de façon tout à fait sincère. Voilà, donc le président, il y avait M. Ardouin, je pense que tout le monde a entendu ce message. Mais bon, le recrutement a été fait. On va reprendre M. Bertorello parce que j'ai tout lu. Là. Et c'était pas prévu ça, c'est pas bien. Voilà, donc il était en décrocette, je pense, voilà, une journée chargée. T'as madame Quiche. Donc voilà, donc on a interpellé le président là-dessus et il n'y a pas de souci. Mais bon, le pôle a bien réagi et je pense qu'on aura les moyens humains pour mener à bien des actions qui sont de sa compétence. Voilà. Donc on va passer aux voix ce transfert de parking. Voilà, c'est assez classique, je ne pense pas qu'il y ait trop de soucis. Qui vote contre ou des refus de vote, des abstentions, c'est voté à l'unanimité et donc c'est adopté.
Et on passe à la suivante, qui est la dernière, c'est la 46. Fabienne Joyeux, s'il te plaît. Alors, il s'agit d'un avis de projet d'exploitation d'une installation de stockage, comme vous avez pu voir, de dépollution, de démontage de véhicules hors d'usage sur la commune de Fenouillet. Ils ont déjà un établissement qui est situé à avenue de, rue de Xeraco, et le deuxième établissement sera installé... Et le deuxième bâtiment sera installé route de Paris en face des établissements fines à gaz qui ont été démontés. Ils nous demandent notre avis car nous sommes dans le cercle des 100 mètres, donc je ne savais pas où on était situé. En réalité, c'est parce que c'est la rue du Bergeron qui fait que nous sommes concernés uniquement, et c'est pour ça que nous donnons notre avis ce soir pour l'installation de ce deuxième bâtiment. Le bâtiment y est déjà, mais ils doivent avoir l'autorisation de la préfecture, car ils démontent les voitures usagées pour revendre des pièces automobiles. Voilà. Je m'excuse, mais quand je vois la consultation du public est prévue du lundi 20 juin 2022, au mardi 19 juillet, ce qui veut dire que, bon, là, on n'a pas le résultat de la... Non. Et donc, moi, j'aurais préféré peut-être qu'on remette la délibération au prochain conseil municipal. Après, on donne qu'un avis. C'est un avis que nous donnons. Ça fait rien. Qu'il soit favorable, ça ne changera rien. Après, on l'a voté. Oui. Après, donc, moi, je vous propose de donner un avis favorable. Après, vous aurez largement le temps, sur un mois, de venir consulter. Voilà, donc si on vous propose un avis, c'est qu'on a les garanties nécessaires pour que voilà, il n'y ait pas de dérive. Voilà, donc c'est comme ça. Ensuite, c'est un établissement qui existe déjà, et c'est le deuxième, c'est un agrandissement, puisque tous les véhicules sont récupérés aujourd'hui. Vous le savez, c'est pour l'économie circulaire. Au contraire, peut-être plus c'est agrandi, plus je pense que les consignes de sécurité elles seront appliquées. Voilà, c'est peut-être l'espace qui va aussi permettre de... Voilà, et on les a contactés, comme il manque des pièces automobiles, ils les récupèrent, ces pièces, sur ces véhicules qui sont usagés. Après, il faut bien travailler, il faut du travail pour tout le monde, et peut-être que ces pièces-là... Et à des particuliers. Voilà. Bon, écoutez, je me maintiens quand même de passer au droit. Monsieur Bourri, vous voulez intervenir? Oui, simplement pour expliquer la position qu'on va avoir nous, par rapport à ça. La consultation a lieu jusqu'au 19 juillet, donc il est intéressant qu'on connaisse quels sont les éléments de la consultation saillants qui permettent de confirmer effectivement la validité de ce projet pour ne pas avoir de surprise. Et donc se prononcer en amont me semble être un peu précoce, et c'est pour ça que cette délibération aurait pu être prise août ou en septembre. Donc, il nous semble que ce n'est pas pertinent de voter aujourd'hui. D'où notre refus de vote sur cette délibération proposée aujourd'hui, à moins qu'on retire la délibération. De plus, j'ai le dossier complet en mairie. Si vous pouvez venir le consulter, puisque on nous l'a envoyé. Vous pouvez éventuellement venir le voir. Bien, on va le passer au... Écoutez... On va voter. Si le dossier vous va, mais dans les annotations du procès-verbal, vous pourrez vous exprimer en disant que vous rectifiez. Voilà, ça sera positif. Bien. Allez, on passe aux voix. Donc, qui vote contre ou refus de vote, hein, c'est ça. Vous avez 4 refus de vote. Hein. Le reste à la majorité est favorable et donne un avis favorable. Très bien. Écoutez, on va maintenir cet avis. Hein, et nous allons passer aux questions diverses. Allez, on y va. Il y en a bien sûr un certain nombre. Et la première concerne les projets prioritaires pour succéder au défunt BUN. Les 10 prochains gros projets de transport en commun de notre métropole ont été communiqués par voie de presse, Actu Toulouse. Force de constater qu'aucun projet alternatif au défunt BUN est mis en avant. Ce projet de substitution au BUN ne verra pas le jour, s'il le voit que dans 10 ans. Ce n'est que pas une priorité, contrairement à ce que vous avez, monsieur le maire, pu exprimer à plusieurs reprises au sein de notre assemblée. Alors, qu'en est-il exactement? Pour information, les 10 projets prioritaires, ligne bus linéo, ligne bus linéo 11, doublement de la fréquence du tram, ligne bus 14, ligne express vers Muret 24, la ligne bus linéo 12 en 2026, la ligne de bus express vers Colomiers puis Saint-Nice en 2025, la collection ligne B va prolonger la ligne B du métro en 2027, la ligne aéroport express en 2026, la troisième ligne métro entre La Vège et Colomiers en 2028. Donc la réponse qu'on peut vous faire, nous sommes toujours en lien avec M. Carnero, le maire de Castelginès, et les maires du Nord Toulousain,
pour travailler sur une nouvelle voie express. Donc c'est vrai que c'est plus le but tel qu'on l'avait imaginé, mais les contraintes environnementales, les coûts financiers et le retard pris font que nous étudions, je dis en gros, une alternative qui puisse permettre de régler ce projet-là, qui permettra de fluidifier les mobilités dans le nord toulousain. Vous n'êtes pas sans ignorer que ce type de projet demande des études, ce que je disais, notamment environnementales et une enquête publique. Il sera donc illusoire de donner aujourd'hui une date. Nous pouvons vous assurer que c'est une priorité puisque dès ce mandat, des crédits sont maintenus pour ces études-là. Je crois qu'il y avait 30 ou 37 000 euros qui étaient prévus. Donc, ce n'est pas un des fins buts, mais c'est peut-être une nouvelle naissance de notre projet. Voilà, donc on va le surveiller de près. Je pense qu'on a des élus aussi, comme M. Coste, qui sont très sensibles et qui le suivent de très près. La circulation automobile. Oui. Maire, en sachant très bien que vous avez vu comme nous qu'en 2024, là, on a prévu la fermeture du pont de Gagnac. Hein. Oui, je sais. Donc, ce qui veut dire que je ne vous fais pas un dessin. Hein. Non, la fermeture pour travaux temporaires. Hein. Oui, oui. Oui, parce qu'on est à dire qu'on le ferme complètement. Circulation automobile. Les habitants de Bruguière nous interpellent sur la traversée du village aux heures de pointe et sur l'accès aux voies principales, notamment sur les hauteurs de Bruguière, rue des Bois, rue de Montement, rue de Gratendo, rue Notre-Dame. Notons que la traversée de village peut prendre jusqu'à un quart d'heure le matin, comme le soir, depuis le rond-point de l'autoroute. La qualité de la circulation se dégrade de plus en plus. Était prévu des aménagements spécifiques pour l'amélioration de la circulation pour entrer ou sortir dans les villages et pour gérer autrement les flux de véhicules. Alors, réponse de la majorité. S'il vous plaît. Comme vous avez pu le voir, un nouveau rond-point est en cours de construction devant le garage Renault. Donc, on parle de la sortie ou de l'entrée, ça dépend comment on se trouve. Il permettra de fluidifier et de sécuriser l'entrée de ville depuis Saint-Sauveur. Une voie verte sera ajoutée. Les travaux seront terminés à la fin de l'année, donc travaux aux alentours de 1,7 million euros, je crois, de tête, financés, je dirais, par la métropole. La ville de Bruguière simplement prend en charge l'électricité de SDEG. En 2023, auront lieu des travaux de sécurisation de la M63G entre le rond-point du Centaure et de l'autoroute, avec la création d'un trottoir et d'une voie cyclable permettant de relier Bruguière à l'Espinasse et à Saint-Joury, et puis même jusqu'à Saint-Alban. C'est plus de 5 millions d'euros qui sont investis par Toulouse Métropole pour la sécurité des Bruguérois. Donc, les travaux devraient commencer l'année prochaine pour à peu près 3,5 millions là, et permettre d'avoir des modes doux et cyclés et piétonniers de l'entrée-ville chez Spétel jusqu'à Saint-Alban, jusqu'à l'Espinasse et jusqu'à Saint-Joury en passant par la zone. Donc, en gros, pour aller à la Mie-de-Pin, y aller en vélo en toute sécurité, et ceux qui travaillent dans la zone aussi pourront prendre le bus sur la route Saint-Amand aussi en toute sécurité. Voilà. Donc c'est acté et nous en sommes, je dirais, ravis. Protection environnement, écologie. Suite aux mesures prises par la ville de Toulouse contre les particules, il serait bien de faire pareil à Bruguière et demander à Vinci de réaliser un mur végétalisé le long de l'autoroute afin de réduire leur diffusion dans l'air. Qu'en est-il des démarches entreprises ou d'entreprendre de nouveau avec l'opérateur privé à qui l'autoroute a été concédée? Alors, nous avons sollicité de façon informelle Vinci, nous avons fait des réunions, ils ont indiqué de ne pas financer ce type d'ouvrage. Cela fait partie du cahier des charges de la concession et ça ne relève pas de la compétence des collectivités locales. Donc, en gros, des travaux qui ont été faits, notamment à Saint-Alan, ont été faits à la création de l'autoroute et non pas, voilà, donc... Voilà, en gros, c'est ça. Vas-y. Voilà. Vinci doit aussi faire un parking avec la métropole. Alors, j'ai demandé cet après-midi qu'on se renseigne, mais ça fait un an ou deux qu'on a délibéré, deux ans, à l'entrée du péage à droite, faire un parking qui représente, je crois, plus de 8000 euros par place de stationnement avec des toilettes pour que le covoiturage puisse être facilité. Et facilitateur, voilà, donc ces travaux dont la métropole a largement aussi coopéré et financé. Alors, je vous avoue qu'on n'a pas trop de nouvelles, donc je vais relancer le débat, ce qui va permettre d'avoir une sortie de l'entre-autoroute aussi plus sécurisée. Voilà, donc, après, sur le reste, écoutez, on n'a pas trop d'éléments ou de pression à faire sur ce sujet.
Les noisetiers, le PUP, lors du bureau Toulouse Métropole le 2 juin 2022, c'est-à-dire l'instauration d'un PUP concernant la construction de logements rue des Noisetiers, convention d'un PUP établi avec la SCCV Noisetiers est à l'ordre du jour, c'est la délibération 22-0444. Merci d'apporter au conseil municipal des infos plus précises relatives à ce nouveau PUP. Mais je veux dire tout simplement que ces éléments vous seront fournis lors du prochain conseil municipal qui vous proposera d'adopter cette convention de PUP qui, pour des raisons de délai, n'a pas pu être transmise par celui-ci. Donc, prochain conseil, vous aurez à l'ordre du jour le PUP des Noisetiers à voter ou pas. Voilà, hein. L'arrosage des espaces verts, et notamment des grands pots de fleurs ou de plantes est gourmand en eau, d'autant plus qu'il y a des débordements. Avons-nous mis en place des variétés de plantes moins demandeuses d'eau, ainsi que nous l'avions évoqué, variétés qui résisteraient mieux à la limitation d'usage de l'eau, pouvant être décidées sur le département eu égard aux températures élevées que nous connaissons de nouveau et leurs conséquences. Réponse, le fleurissement de la commune a été drastiquement réduit pour limiter la consommation d'eau. Donc on a pu commander autant qu'on le faisait à la demande de M. Berthelot et de Romuald Pons, voilà, hein. Donc on a revu un peu ça. Un goutte à goutte a été installé sur les jardinières sur le balcon de l'hôtel de ville, donc c'est plus un arrosage, je dirais, permanent. Et d'autre part aussi, on a mis des fleurs qui demandent moins de d'eau, notamment sur l'avenue du Bruguet, mais en allant sur Superu, hein. C'est des, voilà, des plantes qui ne nécessitent pas de l'arrosage. Donc voilà, on a pris en compte, je dirais, cet aspect-là. Après, il reste quelques fleurissements dans la ville, notamment aussi là, dans les salles de mariage, qui demandent un peu d'eau, mais voilà, on a fait des efforts et quand même, on a réduit considérablement la consommation d'eau. Oui, bien sûr. Donc en fait, pour compléter un petit peu le propos de Monsieur le maire, en fait, on a également sur les pots rouges qui se trouvent sur l'avenue de Toulouse, et également les diverses jardinières, on a, quand on a mis le substrat en fait, pour les plantations, on a intégré des rétenteurs d'eau qui permettent, quand on arrose, en fait, de retenir l'eau et de la diffuser ultérieurement. Il y a également ce qu'on appelle des hoyasses à l'intérieur des pots rouges, c'est-à-dire c'est des pots en terre en fait, qu'on remplit et qui diffusent lentement par la suite l'eau. Voilà. Tout ça, ça participe en fait, à réduire les arrosages et puis donc on utilise des plantations qui, en principe, consomment moins d'eau. Mon souhait le plus cher étant quand même de limiter les plantations hors sol et de favoriser celles de pleine terre. Bien, simplement, j'avais oublié, pour revenir aux choses qu'on peut faire pour améliorer, je dirais, la circulation, c'est aussi de participer samedi matin à 9h à la manif organisée par la ville de Lesminas pour la gare ferroviaire à Lesminas pour son ouverture. Et pour sa création, mais sur réouverture, parce qu'elle a existé dans le temps. Hein. Voilà, nous, on avait déjà participé il y a 4-5 ans, hein, c'était le temps où il y avait Françoise Imbert, donc ça fait peut-être davantage. Et on était tous des élus, on avait passé le pont. Et moi, personnellement, je suis très, très sensible à ça, et je considère que c'est indispensable pour le secteur que nous sommes, hein, de prendre peut-être le train à Lesminas. Pour aller ne serait-ce qu'à la vache, pour ensuite prendre le métro, ou 10 minutes après être en Matabio. Voilà, donc avec un parking, j'espère, bien dimensionné, que de revenir à Saint-Jury, des problèmes de parking, et revenir à l'arrière, c'est jamais très bon, il vaut mieux aller à Lesminas. Voilà, pour moi, bien sûr, samedi matin, je serai à 9h avec mes collègues maires, et j'espère nos concitoyens, pour défendre ce projet, et je vous invite, bien sûr, à y participer. Et je passe au dernier point, c'est le point 6, c'est à 9h. Voilà, donc des écharpes pour ceux qui ont des annonces, voilà, qu'on montre l'intérêt. Faut-il qu'il y ait un cadencement des trains qui puisse être organisé, cadencement qui est demandé depuis des années. Le problème, c'est que si on crée une gare là, il faut en supprimer une autre ailleurs. Voilà. Il y a un nom, oui, ouais, c'est ça. Mais il ne la supprimera jamais, là, avec le métro. Celui-là qui est posé pour en créer une, il faut en supprimer. Ah ouais. Ils veulent un cadencement, c'est-à-dire il faut qu'aller en Matabio en 11 minutes. On pourrait très bien garder la Lande et l'Espinasse. Mais bon, c'est pas 3%. Ouais. Non, mais c'est un choix qui est fait. Bien, on passe au point 6, le transport public des lycéens vers Toulouse-Lautrec. De trop nombreux lycéens dans la commune ont plus de 45 minutes. Après, je laisserai peut-être le soin à Carlos de vous répondre. De temps de transport pour joindre leur établissement scolaire de secteur du lycée Toulouse-Lautrec, le transport scolaire de ses élèves est délégué à Tisséo par le conseil régional Occitanie, alors c'était le département, et force de constater que cette mission de service public n'est pas assurée de manière satisfaisante.
Cette situation est inacceptable au terme de temps de transport et de qualité de vie en raison du faible nombre de kilomètres à parcourir, les responsables étant le flux routier et les arrêts multiples. Nombre de parents font de plus en plus de choix contraints en raison de la mauvaise qualité du service de transport collectif des lycéens, de conduire eux-mêmes leur enfant en voiture jusqu'au lycée Toulouse-Lautrec, ce qui va à l'encontre de tout l'intérêt écologique et les engagements pris par Toulouse Métropole dans son PCET. De surcroît, ce transport par les parents contribue à accroître la saturation du secteur. Au-delà de la question même de sectorisation et sans attendre la construction future d'un lycée dans notre secteur, j'espère un jour à Saint-Jury ou à Castelnau, tout en espérant que les équipes municipales en place sauront répondre à la déclaration d'intérêt qui ne serait tardée, la mise en place au plus vite de bus spécifiques au transport scolaire de nos lycéens sur le nord de Toulouse, avec une réduction du nombre d'arrêts et un trajet spécifique, est plus que nécessaire. Par ailleurs, la réalisation d'un réseau de véritables pistes cyclables sécurisées aboutissant sur le lycée Toulouse-Lautrec est à concrétiser. Pour le bien-être de nos jeunes générations et par souci écologique, il est plus que nécessaire que soient étudiées ces solutions avec toute l'attention et le soin qu'elles méritent. Que pensez-vous de ces propositions et qu'en est-il de l'action entreprise par le maire de notre commune au sein de Toulouse Métropole pour l'amélioration de ce transport public? Ces questions sont adressées à tous les conseillers municipaux de notre commune. Et monsieur Carlos Bicou, je vous laisse le soin de répondre, s'il te plaît. Alors, merci pour la question, parce que au fait, vous êtes pour une fois un petit peu en retard, puisqu'il existe déjà quelque chose qui est mis en place. Et donc, ça me permettra de clarifier. Alors, excusez-moi pour ma voix un petit peu cassée, j'ai eu un week-end un peu compliqué. Le stade a perdu. Hein, c'est ça. Donc actuellement, il faut savoir que pour tous les nouveaux lycéens ou les lycéens qui sont déjà inscrits à Toulouse-Lautrec, les parents reçoivent un dossier d'inscription et ils ont le choix aujourd'hui de prendre une option au niveau du bus transport scolaire, et il est mis en place par le département, et c'est le bus LIO 351 qui existe déjà aujourd'hui, puisqu'il part le matin à 7h13, qu'il arrive à 7h45, donc il met à peu près une grosse demi-heure, et qu'il n'a que 3 arrêts, et qu'en plus de ça, c'est un bus qui est confortable, parce que toutes les places sont assises, et donc ce bus-là est vraiment mis à disposition de tous les lycéens, gratuitement, puisque Bruguière dépend de Toulouse-Lautrec. Lorsque les parents font, remplissent le dossier d'inscription sur le site du département, ils ont aussi le choix de ne pas prendre le LIO, mais de prendre l'option TCO. Et c'est de leur responsabilité de choisir effectivement soit un transport sécurisé assis une demi-heure et le matin et une vingtaine de minutes le soir, il faut le savoir, hein, ou un transport bus de ville, qui n'est pas un transport scolaire en soi, puisqu'il y a aussi des personnes qui vont travailler le matin, où ils n'ont pas forcément de place assise, puisque effectivement, lorsqu'on commence à prendre le bus avenue du Gamouna, le bus est relativement plein, et ce bus-là met 45 minutes. Donc aujourd'hui, l'offre, elle existe déjà, et ce sont les parents qui vont décider. Si le LIO, c'est l'option qu'ils ont choisie, ils peuvent très bien aussi prendre la carte pastel et payer 10 euros par mois, puisque c'est le tarif que l'on paie lorsqu'on est lycéen, pour avoir un transport illimité, que ce soit au niveau du bus, TCO, mais aussi des métros. Voilà, donc aujourd'hui, l'offre, elle existe. Les inscriptions, c'est du 13 juin au 31 juillet, c'est en cours, tous les parents sont informés. Il y a un numéro de téléphone qui est mis en place et qui est assez efficace, parce que je l'ai moi-même testé pas plus tard qu'hier. Non, pas plus tard que vendredi, ce n'était pas hier. Je suis en décalage. Le 0800 01 15 93. Et toutes les questions que j'ai pu poser, les réponses qui ont été faites sont quand même assez claires et très précises. Et je pense que s'il y a effectivement des interrogations de la part des parents, et n'hésite pas à contacter ce numéro de téléphone. Voilà concernant la partie donc transport scolaire.
Bien, voilà, c'était assez complet. Excusez-moi, monsieur le maire, il était prévu aussi, ça on l'avait déjà anticipé, c'est de faire un bulletin municipal à la rentrée qui va un petit peu synthétiser tous les modes de transport que l'on a sur Bruguière, que ce soit des transports scolaires pour le collège, pour le lycée, mais aussi bien expliquer la mise en place du Linéo qui va arriver aussi normalement au mois de septembre ou en tout cas avant la fin de l'année, qui permettra aussi aux lycéens, et ça c'est aussi la nouveauté, de pouvoir, lorsqu'ils rentrent à 10h, ne pas prendre un bus à 8h du matin pour arriver à 9h et attendre une heure, mais au moins prendre le bus vers 9h jusqu'à Saint-Alban et prendre le Linéo pour ensuite aller jusqu'au lycée. Donc ça c'est aussi un avantage pour les lycéens. Voilà, c'était juste la précision. Ok, on fera un dossier à la rentrée. Oui, donc il y aura une amélioration de la fréquence de liaison entre Bruguière et Saint-Alban au passage du Linéo, qui permettra d'améliorer. Il est vrai qu'il y a nécessité d'informer. Historiquement, même il y a 15 ou 20 ans, nombre de parents avaient pris l'habitude, et je crois que ça continue, d'accompagner leurs enfants, leurs jeunes, au lycée, par rapport aux conditions de transport. Puisqu'il s'agit de bus qui sont déjà utilisés par d'autres usagers, et qui ne correspondent pas nécessairement aux horaires de tous les lycéens, puisque tous ne commencent pas à 8 heures, tous les jours. Donc c'est vrai qu'il y a cette souplesse, donc il y a matière à travailler là-dessus. Alors pour Bruguière, mais c'est le nord toulousain qui dépend du Toulouse-Lautrec qui est concerné. Des problématiques de même nature existent à Gratintour, existent à Castelginest. On sait qu'il y a ici un travail à approfondir. Alors le service dont vous parlez apporte des réponses, bien évidemment. Ceci étant, la satisfaction par rapport aux réponses, n'est pas entière, par rapport aux parents d'élèves notamment, qui se mobilisent par rapport à ça, pour un certain nombre d'associations de parents d'élèves, hein, qui, avec des élus locaux, départementaux, régionaux et puis locaux, ont posé ce problème en termes de lettre qui va être adressée, et qui est déjà adressée au public, et dont je vous communiquerai le lien pour que vous puissiez soit vous associer à cette nécessité d'appuyer la possibilité pour les lycéens de bénéficier d'un transport plus adapté, mieux adapté, et qui leur permet de vivre leur vie de lycéen en termes de transport de manière plus agréable. C'est la pétition qui vient de Gratintour qu'on n'a pas... Mais c'est une pétition, peut-être l'avez-vous vu circuler, mais on l'a vu, bien sûr. Je vous transmettrai le lien à l'ensemble des conseillers municipaux, on l'a vu, après, mais on l'a pas après ce que vous voudrez. Mais ça nous semblait important parce que ça fait des années quand même que ça dure. Moi, mon fils a 32 ans, il allait au lycée Toulouse-Lautrec et c'était déjà la galère. Donc vous voyez que là, je ne suis pas sûr que même si vous décrivez les solutions qui sont apportées, ce soit aussi simple que ça pour les jeunes de se rendre. Et si on fait un tour de table avec peut-être parmi vous des parents qui ont des enfants de cet âge. Je suis concerné, monsieur Bourri, oui, donc je suis je sais très bien la problématique de ce transport-là. Je suis concerné. J'ai ma fille qui est effectivement en première, donc au lycée Toulouse-Lautrec. Donc je sais très bien qu'à 6h50, il faut se lever très tôt, que 45 minutes c'est beaucoup, que ensuite le soir c'est rebelote et qu'ensuite il faut bosser pour le lendemain. Et que les travailleurs aujourd'hui ont plus de facilité que nos lycéens en mode de transport. Je l'ai déjà évoqué il y a plusieurs années, et je continue à le dire, je suis d'accord avec vous, 45 minutes, c'est pas possible. Après, je pense qu'aussi 6h50, le TCO a modifié cet horaire-là. Avant, c'était un petit peu plus tard, et déjà, si on pouvait travailler sur les horaires et pouvoir déjà repousser le 6h50 à 7h10, parce qu'ils arrivent à 7h35 au lycée, je pense que c'est tout à fait faisable. Enfin, je sais pas, déjà, il y a plusieurs pistes, cette piste-là en est une. Mais vous avez raison. Nous pensons, pour ceux qui ont initié cette pétition, qu'il faut pousser un peu plus fort pour que ça aboutisse, puisqu'on est habitué quand même à un certain nombre de dossiers qui traînent en longueur depuis des décennies et qui ne voient aucun aboutissement. Donc en la matière, c'est pour ça que ce texte qui a été proposé à la signature des habitants des différentes communes du Nord Toulousain concernées par le lycée Toulouse-Lautrec, il nous semble important de pousser. La gare de l'Espinasse, c'est un enjeu. Ça, c'en est un autre, d'une autre nature, concernant un public particulier. Les péages de l'autoroute, c'est aussi
un enjeu, mais ça, il faudra remettre le dossier sur la table, puisque on est quand même dans une agglomération où on a les péages, pas place du Capitole, mais presque, quoi. Et en attendant, dites à tous ces parents d'inscrire leurs enfants au LIO, c'est gratuit, c'est 30 minutes et 22 minutes. On a fait un débat qui va au-delà de la question-réponse. Donc je vous demande, voilà. Je pense que les parents ont les informations quand ils inscrivent leur enfant. C'est sympathique et on vous a laissé vous exprimer. Voilà. Donc je pense que voilà, je terminerai le conseil municipal en remerciant aussi tous ceux ou celles qui ont participé aux 4 week-ends d'élection. On a terminé jusqu'en 2024 maintenant. Merci de votre disponibilité et merci aussi au personnel et à la direction aussi qui a assuré de façon magistrale et les quatre journées, notamment celle d'hier. Voilà, merci. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et un bon appétit. Merci.